Ce dimanche 18 juin restera gravé pour Benjamin Castaldi, Jean-Pierre Castaldi et tous les hommes de leur vie. Si est-il tous ensemble qui l'ont posé pour célébrer la fête des pères. Début juin, tous les yeux étaient rivés sur les mamans à l'occasion de la fête des mères. De nombreuses personnalités s'étaient servies des réseaux sociaux pour adresser quelques mots à leur maman. Deux semaines plus tard, c'est au tour des papas d'être célébrés sur la plateforme. Damien Demarié au premier regard a partagé quelques mots pour sa fille alors qu'il est devenu papa pour la première fois la semaine dernière. Tandis que Sinodivane Derouera, famille nombreuse, la vie en XXL, a tenu à lui rendre hommage, lui qui est décédé bien trop tôt. D'autres ont profité de cette journée spéciale pour passer du temps en famille, à l'instar de Benjamin Castaldi. Les hommes du clan Castaldi tous, presque, réunis pour la fête des pères en effet, sur Instagram ce dimanche 18 juin, le chroniqueur de Touche pas à mon poste a publié une adorable photo en noir et blanc. Installé à la table d'un restaurant ce midi, on peut ainsi le voir poser avec son père Jean-Pierre Castaldi, ses enfants Simon, Julien et le petit dernier Gabriel. Et un autre bébé s'est incrusté dans la publication, il s'agit de son petit-fils, qui se prénomme Elio. Né le 15 juillet 2022, le fils de Julien et sa fiancée Kira est le premier petit-enfant de Benjamin Castaldi, et donc le premier arrière-petit-fils de l'acteur français. Rien de plus beau, écrit l'ancien animateur de Secret Story en dessous de ce cliché qu'ils garderont précieusement dans leur mémoire. Les abonnés sont sous le charme dans les commentaires, les abonnés sont rapidement tombés sur le charme de ces six hommes et garçons qui posent ensemble pour une belle occasion. Que si est-ce beau les générations de Castaldi réunies, magnifique photo, vous avez la chance d'avoir votre papa auprès de vous, si est-ce beau. Superbe famille, très jolie photo, 4 générations. Magnifique, quelle photo souvenir magnifique, quel beau portrait de famille, peut-on lire parmi les très nombreux commentaires. D'autres se demandent où se trouve Enzo, le grand absent de ce cliché. Et Enzo? Il manque Enzo si est-il super la famille Castaldi, il en manque un nom ?